donc euh, voilà ce qu'on a fait hier soir on a ici euh, une séquence euh, de bits c'est une transmission série RS232 les données qui seront transmises d'Arduino par exemple on prend par exemple un Arduino qui, euh, qui est équipé d'un euh, capteur de température Le capteur de température il mesure la température sous forme digitale de 8 bits ok donc euh, Arduino, il va maintenant prendre l'information de 8 bits. Ici, on a par exemple 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1 et qui voit, par exemple à 25 degrés. Il va ajouter au début ici un bit de start, c'est égal à 0. Et il va ajouter un bit de parité. OK hein? Ce bit de parité. Et il va ajouter un bit de stop. Donc Arduino, il ajoute cela. Arduino c'est un microcontrôleur, c'est-à-dire vous avez une fonction que vous avez rédigée, décrite, hein, écrite, qui, qui fait ce calcul. Donc euh, bit de start et bit de stop, ça se fait automatiquement. C'est le driver au sein du microcontrôleur, le UART qui fait cela. Donc vous avez un bit de start et vous avez un bit de stop. Pour chaque information qui sera transmise, vous avez toujours un bit de start et toujours low. Un bit de stop, il est toujours au niveau haut. Et le bit de parité, c'est, comme j'ai dit, il va compter les nombres des uns. Donc on a ici 1, 2, 3, 3, 4. Donc on a 1. 1, 2, 3, 4. On a parité 0. Hein? Donc, euh, il a mis le bit de parité. Il est 0. Donc, maintenant, je vais transmettre cette information. Donc, voilà votre ordinateur. Et vous avez activé, par exemple, hein? je, vais, je vais ouvrir cela. Vous avez activé petit. l'ai pas euh, le point faible de la parité c'est qu'il ne te permet pas de détecter si vous avez par exemple deux bits ici par exemple ici euh, euh, voilà euh, on a ici les deux bits qui euh, sont erronés donc vous avez toujours ici euh, le nombre et les paires donc euh, mais le message il est erroné au lieu d'avoir un, un un 0, on a ici un 1. Et ici aussi un 1. Ok. Donc là, le message il est erroné et le bit de parité reste le même, est égal à 0. Donc c'est pour cela qu'on a dit euh, euh, le système de contrôle de parité ne détectant que les erreurs au nombre impair il ne permet pas il permet donc de détecter que 50% des erreurs donc euh, <coughs> si on prend ici on a 1 2 3 S'il il y a un bit qui s'ajoute donc il va ici compter on a un nombre 1 2 3 si on ajoute 1 1, donc là c'est paire, elle va détecter que ce bit-là est 0. Si on ajoute 2, donc dans ce cas on aura 2 plus 3 euh, et, euh, euh, et aussi un paire. Donc euh, elle a détecté seulement un. Une deuxième erreur, elle ne va pas la détecter. OK? Donc elle peut détecter seulement 50% des erreurs. C'est pour cela cette notion de 50%. Elle m'a par contre CRC, ce calcul là, le ce calcul là, il est unique. Vous avez un polynôme générateur, voilà. Vous faisiez la division sur l'information, et c'est unique. Ça reste unique, hein? Il n'y a pas de changement. Cette valeur calculée reste unique. On va l'ajouter au message, on va la transmettre. Ben, le message sera transmis. L'autre partie, il va refaire le calcul. Il va comparer, comparer la CRC envoyée. Ben euh, en cas où euh, ils n'ont pas la même valeur, donc euh, sûrement a, le message a été erroné à 100%. OK uh -huh. Bit par bit. Il n'y a pas ça. لأنه عندي زيرو عندي كسور ان ان كسور زيرو 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 عندي واحد واحد تاهي عطات زيرو واحد واحد عطات زيرو دونك عندي هاد لي فالو كاملين زيرو دونك نقصت علاش لان خديت هاد لا فالور هادي la limite. Donc, euh, voilà. Jusqu'à maintenant, on a traité la partie de la couche physique, le médium. La partie de la couche de liaison, on a dit, ben voilà, tout d'abord, on doit euh, régler ce problème de collision, où on a plusieurs partenaires qui veulent communiquer au même bus. Donc, euh, on a parlé de multiplexage. Euh, puis, on a parlé, ben voilà, l'information doit être préparée pour qu'elle puisse y aller jusqu'à la couche d'application. Donc euh, prenons maintenant, on a plusieurs partenaires, donc euh, on doit parler de la couche de réseau et de la couche de transport. Donc euh, voilà, les éléments qu'on trouve au sein de cette couche, il y a le répéteur, le concentrateur, le switch, le convertisseur, le pont, le routeur et des passerelles. Donc euh, le répéteur, il faut prendre cela, c'est permet l'extension d'un réseau par segment et l'amplifier et rétablir le même type de signal. On a par exemple le répéteur LS485, c'est-à-dire l'information qui circule au sein de, cette, euh, de ce réseau-là, elle hein, va être répétée conforme, peut être aussi prise par l'autre partie, alors de la station A peut être pris par l'autre station B et peut être traité sans passant par une couche supérieure, c'est-à-dire la couche de présentation. Hein, ça peut être aussi jusqu'à cette couche-là où on a l'information brute qu'on peut traiter. Donc c'est un répéteur. On a le concentrateur, il permet l'extension d'un réseau en étoile. Hein, vous avez l'information qui entre et peut être amplifiée, multipliée, euh, multipliée, euh, multipliée. Euh, Multiplication d'informations, je m'excuse. Donc, il amplifie et rétablit le même type de signal sur toutes les portes. On a par exemple les HUP. Le convertisseur, si vous avez deux, deux, deux couches différentes, par exemple, vous avez une, euh, un réseau basé sur la communication purement sérielle S232 et l'autre réseau il est basé sur une communication de la même nature. Mais de RS488. Donc, on a besoin de convertir l'information de, de ce de cette, de cette, euh, protocole de communication vers l'autre protocole de communication. Ou bien, vous avez par exemple série IDANET ou d'autres. Donc, on parle ici d'un convertisseur. Donc, on peut dire il permet d'extensifier un réseau segment de nature différente si on a différents réseaux hein, on peut euh, utiliser des convertisseurs s'ils sont de nature différente. on a les bridges ou bien les ponts permet de relier deux réseaux utilisant le même protocole mais deux couches de base différentes par exemple vous avez euh, un, euh, un réseau basé sur euh, Modbus bus rs400 85, ok. et l'autre ethernet tcp ip. donc dans ce cas, on peut utiliser ce genre de d'appareil qu'on l'appelle bridge. on a le routeur permet de relier deux réseaux de même nature. Hein. au sein d'une société, on a plusieurs départements qui sont reliés à partir d'un routeur. Une passerelle permet de relier deux réseaux de nature différente. Donc voilà, si vous êtes euh, la production, et là vous avez un réseau basé par exemple sur Asie, et là la couche où on a la supervision, elle est basée sur euh, Profinet. Donc pour passer de cette couche-là euh, d'une un, installation basée sur... Un bus de terrain Asie vers la couche où on a la supervision ou bien la salle de contrôle basée sur le ProfiNet. Donc, l'accès à cette information de la couche bas, on a besoin des passerelles. Donc, on, là, on parle des passerelles. Ce sont des modules de communication simplement. Hein? C'est ça. C'est seulement la nomenclature. Donc, euh, il existe euh, deux types euh, d'acheminement d'un paquet. Le destinataire appartient au même réseau local que la station, c'est cela qu'on a constaté. Le transfert, il est donc direct. Ou bien le destinataire appartient à, au réseau, euh, à notre réseau. Il faut envoyer le paquet vers un premier routeur. Qu'il expédie éventuellement vers un suivant et ainsi de suite jusqu'au routeur connecté au réseau de destination qui l'envoie à la station adressée. Donc, c'est pour cela qu'on l'appelle ici euh, le processus de routage de l'information. Donc, euh, la couche de transport doit assurer une euh, frontière entre l'aspect transmission prise en charge par les couches bas, c'est-à-dire couches. De, de, de couche physique, hein, la couche de liaison et l'exploitation et le traitement d'informations. Donc cette couche n'est pas typique des réseaux locaux, elle assure le transport de bout en bout entre les communications de distance assurer la détection et la reprise des erreurs, contrôler aussi le flux des nœuds, fragmenter à l'émission et de réorganisation à la réception. Donc, à la fin du compte, on va visualiser quoi? La température, par exemple, via WinCC et Portal, c'est seulement la température, mais pas la valeur de la CRC, mais pas, par exemple, l'adresse de destinataire, euh, et ainsi de suite. Donc, optimiser l'emploi des ressources de transmission disponibles, dans le cas où plusieurs stations sont reliées sur un même nœud, établir et libérer des connexions de transport en cas où la formation elle est émise. La couche de session, c'est avant la couche de l'application. Cette couche organise et synchronise les échanges entre les utilisateurs et ne, ne se préoccupe pas des problèmes techniques, c'est-à-dire euh, des, 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 des informations qui sont erronées. Cela a été déjà établi dans les couches inférieures. Donc, il ne se préoccupe pas des problèmes techniques propres à la transmission des informations, mais fournit les mécanismes permettant de coordonner les échanges. Les échanges sont structurés en activité et en unités de dialogue, afin de gérer correctement les arrêts et les reprises au point d'arrêt. Donc, euh, voilà, euh, je ne vais pas y aller euh, en détail sur cette couche de session. Euh, C'est cela ce qu'on ce qu doit prendre. Et après la présentation de l'information, soit vous utilisez par exemple un browser, ou bien vous utilisez une application basée sur Visual.net ou bien sur T Donc voilà, c'est la couche où on présente l'information. Bien comme tiers portable, vous avez le tout, à la fin du compte, vous avez euh, cette fenêtre où vous trouvez l'information brute.